Bon, bah là nous sommes sur l'ouverture d'un colis de chez la petite pièce. Oui, parce qu'il y a dedans, on va le découvrir. Il y a clairement du scotch. Tant mieux. Je découvre en même temps pas tellement. Je sais pas ce qu'il y a dedans, un colis. Ils leur font plus leur carte. Si vous voulez leurs coordonnées. Je vais aller un peu avec mes doigts, je vous ferai une photo. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc voici un des achats. Du coup, c'est un boîtier de masque à gaz pour masque à gaz foncé. Du coup, et je mets du dégrippant. Après, par contre, je vais devoir les souffrir tout le temps. Ça dérive. Il y a encore le papier. Et l'intérieur, il est dans un état dingue, assez impressionnant. Donc en fait, ce que vous voyez au fond, c'est le métal qui est à nu et dans un état impressionnant. Il y a encore de la peinture petite. Il n'y a pas de trou, c'est qui donne. Par contre, je vais devoir dégripper. Comme ça. Et du coup, l'autre chose. Et du coup, un autre boîtier de masque à gaz. Masque pour un boîtier de masque à gaz allemand. Lui, il y a plus, je trouve, plus de peinture. La roue, il n'a pas. Autant dégradé. Il y a quoi de la peinture autour hein. On n'est pas mince, il doit avoir 40%. Au-dessus, il y a de la, je pense que c'est de la corrosion, mais vraiment pas sûr. Ça coûte des grippants du coup. La WD-40. Et l'intérieur, il est en bon état. Il y a un marquage au fond. Alors, je ne sais pas à quelle source faudrait me dire WM ou W. MW, donc ça c'est WM. Il est dans un super état. Hein. L'intérieur, pas bouffé du tout. Il ne dégrippe pas encore. C'est toute la peinture noire. Bon, il y a encore y a légèrement de la rouille, mais à quelques endroits, bah, c'est WD-40. Hein. Ça change pas. Attention, ça, par contre, ça va le refermer un peu, voilà, et de toute façon, il y a un marquage ici, là, noir, je sais pas, je sais vous le dire, peinture, elle s'écaille un peu, clic 17, je vois un 7, un 1, fabrication, ah oui, il y a aussi un autre marquage, c'est un marquage blanc, un beau témoignage, je trouve ça m'arrange que je monte la quantité en matos première guerre, j'ai truc ou deux. Bah, la reste c'est des médailles. Deux boîtiers de masque à gaz pas restaurés. Hein. Avec du coup du WD-40. Et j'ai remarqué qu'en fait les attaches là, c'est limite les mêmes que ceux des boîtiers de masque à gaz 45. Du moins, mon boîtier à moi. Bon bah j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.